Paléoclimat, archéologie et paléontologie s'est ouvert hier et ce sera l'occasion pour les chercheurs et scientifiques d'analyser le passé pour mieux planifier le futur. Les travaux se déroulent au centre Saint-Anoirite d'Abomey-Calavi. Ils sont venus du Burkina Faso, du Cameroun, du Nigeria, du Sénégal et du Bénin, ces chercheurs et scientifiques, pour prendre part à la deuxième conférence internationale de l'Association ouest-africaine d'études du Quaternaire. Les participants vont échanger sur le thème changement du niveau marin, paléoclimat, archéologie et paléontologie. Objectif, comprendre le passé afin de planifier le futur. Ce thème a été choisi parce que tout le monde sait maintenant qu'il y a une crise environnementale qui secoue le monde entier. Et cette crise environnementale, il va falloir retourner vers le passé pour interroger les archives du passé, les archives sédimentaires et climatologiques, pour savoir si nous sommes dans une tendance ou si nous sommes dans un cycle, afin de pouvoir mieux cadrer et mieux définir les programmes de développement pour le futur. Les résultats, les chercheurs ne se posent pas toujours la question de ce que les résultats et à quoi les résultats doivent servir, mais ils savent que les décideurs doivent pouvoir les utiliser pour ne pas continuer à faire des faux pas. Regardez un peu ce qui se passe aujourd'hui avec les inondations partout. Tout le monde se demande si c'est la fin du monde qui est proche ou bien si c'est un nouveau monde qui va naître. C'est dans ce sens-là que nous faisons des recherches. Est-ce que nous sommes dans des cycles ou nous sommes dans des tendances? Donc, tout décideur conscient du développement durable doit pouvoir utiliser ces résultats-là pour ne pas continuer à faire des erreurs et à ne pas tâtonner. Plusieurs communications vont meubler ces assises. Le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique s'est réjoui de la tenue au Bénin de cette deuxième conférence sous-régionale. L'argumentation justificative du thème et les sous-thèmes déclinés ont permis de mettre en perspective une réflexion croisée sur l'état actuel de la recherche sur le Quaternaire ouest-africain en géologie sédimentaire, en botanique et zoologie, en climatologie et biogéographie, en océanographie, en paléontologie et archéologie, etc. Sur cette période, au cours des 2 millions d'années, l'espace naturel sous-régional fut affecté par des variations climatiques, l'évolution des rivages marins et les bassins fluviaux et lacustres, l'évolution de la flore et de la faune, les modifications des écosystèmes et les impacts humains. Il est alors permis d'espérer que le diagnostic scientifique d'une si longue évolution du couple milieu-homme puisse contribuer à un enracinement réel d'une éthique environnementale et d'une conscience éco-citoyenne désormais indispensable à toute politique de développement durable. Le recteur de l'université d'Abomey-Calavi Norbert Kossi Awanou a quant à lui souhaité que les chercheurs présents puissent profiter des expériences de leurs collègues. Les travaux de cette conférence prennent fin le 11 octobre. En interactualité, c'est la plus grave catastrophe écologique de l'histoire de la Hongrie, une marée rouge qui a tout ravagé sur son passage mardi, en dénonçant plus d'un million de mètres cubes de boue dans certaines villes. La marée rouge a tout.